Coucou les filles. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo 12 top, 12 flops. Donc la première qui a voulu me taguer pour ce thème-là, c'était Marie-Annick. Je lui avais dit, écoute Marie, je viens de tout ranger mes livres et tout, j'ai pas envie de tout ressortir, tout déballer, tout ranger. Donc on verra pour un autre tag. Ensuite, il y a la chaîne Les Colos de Sable qui m'a tagué pour ce tag-là. Et ensuite, il y a Lisli Colo. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, sors tes livres, meuf, tu les rangeras, c'est pas grave, t'as le temps, en même temps, tu bosses pas. Donc, du coup, j'ai sorti quelques livres avec, selon moi, des tops, des flops. Donc, j'ai essayé d'en trouver 12 par catégorie. Donc je vais commencer par. Donc les oranges, c'est les tops ou c'est les flops? J'ai mis orange et jaune. Ok. Les oranges, c'est les tops. Donc on va commencer par les flops. Donc pour les flops. Donc j'en ai beaucoup plus que des tops. Je vais commencer avec le livre le plus ancien que j'ai. Je me demande si je ne mets pas la perche ou si je tiens le téléphone. Je vais tenir le téléphone, c'est pas grave. Donc dans ce livre-là, c'est un des premiers que j'ai eu. Et j'ai plein de flops. Je débutais avec pas mal de matos. Et donc déjà celui-ci. Le fond, c'est tout simplement une catastrophe. Donc c'est dans le livre de Sabrina Beretta. Il aurait pu être magnifique ce colo. Je trouve que j'avais fait des couleurs inversées pour les poupées. Bon, je trouvais ça sympa. Mais alors le fond, tout simplement une galère. Je ne sais même plus avec quoi je l'avais fait, tellement c'est moche. Je crois que j'avais utilisé du crayon aquarellable, mais que je ne savais pas les utiliser ou que je les avais laissés trop longtemps poser, je ne sais pas. Donc ça, c'est le premier flop. J'en ai pas mal dans ce livre-là. Celui-ci, pareil. Alors là, il y a tout qui est moche. Pardon. Je voulais m'entraîner pour les bijoux. Il n'y en a aucun qui fait joyau, il n'y en a aucun qui brille. Le fond, c'est une catastrophe. Enfin, franchement, ce colo, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est pour le deuxième flop. Après, il y a celui-ci. Alors, je ne sais pas avec quoi j'ai fait la peau. Mais alors, on dirait presque du feutre, tellement c'est mal fait, quoi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout avec quoi j'ai fait ce colo. Mais voilà, que ce soit les ronds, ils sont moches, ils ne sont pas brillants, tout est fade. Le fond est raté, la peau, c'est une catastrophe. Les cheveux, enfin, ce colo, c'est une catastrophe. Donc là, c'est le troisième flop. Quatrième, bah pareil, celui-ci. Alors là, tout est moche. Les oiseaux sont moches, le fond est moche, les branches sont moches, les fleurs sont moches, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de dégradé. Le fond, on dirait que je l'ai fait au feutre, carrément. Je sais pas ce que j'ai foutu. Enfin, ça, c'est une catastrophe également. Celui-ci, bah, j'aimais bien les petites poupées, mais pareil, fond grosse daube. Je ne sais pas à ce moment-là qu'est-ce que j'utilisais pour faire mes fonds, mais il me semble que c'était les Faber-Castell Art Grip, les tout premiers crayons aquarelles que j'avais. Sauf que voilà, je devais appliquer le crayon directement, alors que je pense que c'est mieux de les mettre sur palette, ou je ne sais pas ce que je foutais avec, mais en tout cas. Une vraie cata. Donc là, on récapitule, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5 flops dans le Enchanted World. Après, j'ai des flops dans. J'ai malheureusement des flops dans mon Gratia Salvo. J'ai dans mon Flower and Gem. J'ai celui-ci. Où ben, je j'aime pas le fond. J'aime pas du tout le fond. Il est pas. C'est pas fluide. C'est pas top. Après, bon, la robe, ça va. J'aime pas les cheveux. Les fleurs, je les ai fait au Tombow. Donc, encore, ça va. Mais bon, franchement, catégorie flop direct. Donc, ça, c'est le sixième flop. Hop, les. Après. Alors, celui-ci. Alors, celui-ci, j'avais voulu tester. Qu'est-ce que j'avais utilisé pour celui-ci? Ah oui, je m'étais foirée une première fois. Donc, j'ai mis du gesso. Et j'ai tout recommencé. Sauf que bah, le deuxième essai était pas mieux que le premier, quoi. Donc j'avais essayé de rattraper en mettant des petits strass. Bah tiens, d'ailleurs, il y en a un qui a sauté.
Mais voilà, la peau n'est pas jolie, il y a plein de marques, les cheveux c'est une catastrophe, le fond, je l'avais tellement raté que je l'ai badigeonné de paillettes, enfin, catastrophe. Et ensuite, je voulais les laisser dépasser pour vérifier le compte. Donc on va le mettre là, parce qu'il a pas l'air de vouloir coller celui-là, hop. Ensuite, ah oui, alors là, il y avait eu un défi peau rose, je ne sais plus sur quel groupe. Ouais, j'ai même écrit dessus raté. Et franchement, elle est horrible, quoi. Elle fait presque peur, quoi. Donc c'est moche, c'est mal fait. Les bijoux sont moches, les fleurs sont moches. Le fond, c'est une catastrophe. Enfin, trop déçue d'avoir raté ma décolo sur ce livre-là. Mais bon, ma foi, c'est comme ça. Donc là, on a fait 5 sur l'enchante noire. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Là, on a un flop ici. Alors, elle, j'aime pas la peau. C'était, je venais de recevoir, il y a peu, les palettes Jeanne Davenport. Et d'ailleurs, toute la gamme Jeanne Davenport, je vous l'avais présentée dans une vidéo. Parce qu'il n'y en avait pas en français et parce que je trouve que c'est vraiment des produits, surtout les palettes à make-up qui sont top. Sauf que là, voilà, je venais de la voir, je la prenais en main en fait. Et du coup, la peau, je la trouve pas du tout bien faite. J'ai mis trop de rose sur les joues. Donc bon, après, le reste, limite, ça va. Le t-shirt, la fleur, les cheveux, ça va. Le fond, bon, voilà, c'est un fond simple. Mais par contre, j'aime pas du tout la peau, quoi. Et en plus, vous voyez, j'ai même pas fait les cils. Donc, la pauvre, elle a pas de cils. Enfin voilà, ça c'est un flop dans un de mes gratte-ciel salvo aussi, c'est celui-ci, le Loveliness. Et donc là je crois que ça fait, hop, c'est pas grave. Donc là ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il doit rester un flop par là. Mais je crois que, ah oui, j'ai mis 12 flops et un super méga flop. Voilà. Donc le super méga flop, c'est celui-ci. C'est dans le Kirby. Je l'avais fait en trio avec des colocopines. Une catastrophe. Ça ressemble même pas à une pomme. Le fond, il est moche. Ça, c'est quoi? C'est des loupions. C'est moche. Ça ressemble pas du tout à des pommes. Il est affreux, ce coloriage. Il est affreux, 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 affreux. Je le déteste. Donc ça, c'est le méga flop. Voilà, donc c'est le 13e. C'est le pire du monde. C'est une catastrophe. Je le déteste. J'aime pas du tout. Je sais pas ce que j'ai voulu essayer de faire, mais même les feuilles, j'aime pas. Le fond, j'aime pas. Les pommes, j'aime pas. Il n'y a rien que j'aime. Voilà, donc mais je l'ai posté parce que bah, c'était un trio et qu'il fallait le faire. Hein, j'avais pas, voilà. Mais ça aurait pas été un trio, un truc que j'aurais fait solo, mais caché, poubelle, oubliette, on n'en parle plus, quoi. Et donc, pour le 12e flop, hein, donc ça, c'était le 13, hein, le méga flop. Je crois que c'est... dans mon Christina Novak, le Slavic Beauty que j'ai fini. D'ailleurs, je vous l'ai présenté fini entièrement. C'est celui-ci. Alors, c'est un des tout premiers que j'ai fait. Et j'aime pas grand-chose, quoi. Les cerises, elles manquent de brillance. La peau, elle est trop claire. Moi, j'aime mieux les peaux un peu plus foncées. Il ne faut pas que ce soit trop foncé. Il ne faut pas que ce soit trop clair. Donc, j'aime bien les peaux un peu latines. Quand je colo, j'aime pas trop les faire claires, quoi. Donc, j'aime pas. J'aime pas ce colo-là. Je ne sais plus quoi, je l'avais fait avec les pit pastel, pan pastel. Pit pastel, pan pastel, paillettes et stickles. Voilà, bah je n'ai pas kiffé. Ça devait être vraiment mes premiers colos, ou j'en sais rien. Ou peut-être je l'ai fait à la va-vite, ou peut-être, je ne sais pas. Mais voilà. Donc là, vous avez vu 13 de mes flops. Donc maintenant, on va reprendre la pile à zéro. Bon, après, j'ai d'autres tops et j'ai d'autres flops. Dans d'autres livres, hein, mais j'ai plein de livres, donc j'allais pas tout faire. Donc dans celui-là, il n'y a aucun top. D'ailleurs, j'aurais même pu mettre les 13 flops là-dedans, mais bon, j'ai voulu quand même changer un peu de livre. Et donc là, dans mes tops, j'ai commencé avec le Flower and Gem. J'adore celui-ci. Je sais pas si c'est deux sœurs ou deux copines, mais je l'adore. Les peaux, j'aurais pu faire franchement mieux, mais j'aime bien les teintes que j'ai choisies. Les bijoux, je trouve que pour une fois, je ne les ai pas trop mal fait. J'aime bien le fond. Donc voilà, c'est un colo que j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien, je le trouve chaud, j'aime bien. Ensuite, il y a celui-ci. Alors celui-ci, j'adore parce que
Je suis très nulle en bijoux et pour une fois, les bijoux, ils brillent. Ils sont pas trop mal faits. La peau, elle est jolie. Le fond, il est pas mal. J'avais fait avec un pinceau à effet pour le fond. Donc, j'aime beaucoup ce colo-là. Ensuite, bien sûr, j'ai pas mal de tops dans mes gratte salvo puisque c'est dans ces livres-là que je prends vraiment le plus de plaisir à colorier. Alors là, j'avais tout fait avec les crayons Nose et le fond avec des encres. En 2019. J'adore. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Pour une fois, le bijou, là, il n'est pas trop moche. Les bijoux aux oreilles, ça va. J'aime beaucoup les cheveux, les fleurs, j'adore. Voilà, dans l'ensemble, j'aime beaucoup son pull. Voilà, j'adore. J'aime bien l'harmonie et tout. Ce dessin-là, je l'adore. Ensuite, il y a celui-ci que j'aime beaucoup, juin 2019. Alors, j'ai fait un fond avec les Pots Sparkle. Je venais de les recevoir, enfin, certaines couleurs. Je me suis trippée à mettre des petits dessins Chanel dans le fond, là. Et j'aime bien la peau. Voilà. Celui-là, j'adore. J'aime bien les couleurs. Je trouve qu'il est bien harmonieux. Il est chaleureux. J'aime bien. Et après... Désolée, ma chaîne ronfle à côté. J'adore celui-ci. Il est soleil. Il est... Voilà, j'aime beaucoup. Donc celui-là, je l'ai fait. J'ai pas noté. Non. Il me semble que je l'ai fait au Color Soft, celui-ci. J'ai peut-être écrit derrière. Non. Je l'ai fait au Color Soft, celui-ci. Et la peau au make-up. Déjà, j'adore ce dessin. Et je trouve que, voilà, enfin, j'aime bien ses cheveux. J'aime bien les couleurs. J'aime bien ses yeux. Je la trouve belle, cette poupée. Donc là, on a fait le tour des tops dans celui-ci. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5... Donc, il y a 5 tops dans le Flower and Gem. Après, Loveliness, il y en a pas mal que j'aime bien. Il y en a que j'aime moins, il y en a que j'aime bien. Hop, il y a celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai fait entièrement avec les crayons Artist de chez Dervent. Même la peau, c'est un 100% Artist, sauf le fond. Le fond, je l'ai fait au Pan Pastel. Bah, d'ailleurs, c'est écrit là, Artist et Pan Pastel. Celui-là, je l'adore. J'adore cette poupée, j'adore ses cheveux. J'ai fait un petit mélange de feuilles marron et vert, j'aime bien. Voilà, celle-là, j'aime bien. Après... Allez. Celui-ci. J'aime beaucoup celui-ci. Je l'ai fait au Tombow et au Pan Pastel. J'aime bien la petite poupée avec ses petites lunettes, les cheveux dans le vent. J'adore. Puis je l'ai fait à l'aquarelle, donc c'est pas la méthode la plus simple. Ensuite, il y a celui-ci. Alors celui-ci, je l'adore. J'ai fait le fond à la méthode de Toki. C'est Toki qui m'avait montré une méthode de fond à l'aquarelle. J'ai fait toute la peau avec les muséums. En fait, j'ai fait toute la poupée au muséum et bah, c'est écrit là. Et la peau avec les palettes Prima aquarelle. Je l'aime beaucoup. On dirait qu'elle sort de l'espace. Hop. Après. Bah, il est où celui-là ? Ah oui, celui-là, j'adore parce que bah, j'aime bien les couleurs, j'aime bien la poupée. Donc, je l'ai fait au poli, j'ai fait la peau à la palette John Davenport et le fond au Pan Pastel. J'aime bien cette poupée. De toute façon, j'aime bien toutes ces poupées. Mais j'aime bien comment je les coloriais, disons, par rapport à certaines que malheureusement j'ai foirées. Ben, celles-là, je les aime bien. Donc là, ça fait combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il doit rester 2 tops. Alors, j'en ai pas mis dans le Slavic Beauty. Pourtant, je les aime bien. Il n'y a que celui où je vous ai montré, je ne suis pas très fan. Celui-ci, je l'ai totalement fini. On va le repasser vite fait. Totalement fini et à chaque fois, j'ai fait les deux pages. Et je vous l'ai présenté dans mes vidéos livres terminés. Voilà.
Il n'y a que les grescales que j'ai pas fait à la fin, puisque c'est les mêmes que les linards qu'il y a dedans, donc j'avais pas envie de les faire deux fois. Donc là, j'ai pas notifié de top. Et dans mon Kirby, bah, il n'y en a que deux que je trouve top, et c'est ceux que j'ai vraiment préféré de faire. C'est à la fin. C'est celui-ci, mes chaussures. Les Converse, j'ai adoré le faire. Je l'avais fait en duo, voire en trio. Avec Nabaya. J'ai adoré le faire. C'était long, mais j'ai adoré. Et le tout premier que j'ai fait dans ce livre, et que j'aime beaucoup, c'est la maison. Ça m'a demandé pas mal de temps. J'ai tout fait au Holben. Mais j'adore... J'ai bien pris le temps de travailler tous les détails. Ouais, je me suis bien éclatée avec celui-là. Donc voilà pour mes 12 tops et 13 flops du coup. Voilà. J'ai pas fait de maxi bonus pour les tops. Parce que bon. Mais les flops, je pouvais même vous en trouver d'autres encore. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé ce petit moment partagé en ma compagnie. Je remercie les trois nanas qui m'ont tagué, donc Marianique, Lise Nicolo et ma chérie, l'écolo de Sab, que j'embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!